Dang it, guy. Bon, voilà. Ça va être long. Mais c'est un peu beau. Oula. Ça commence à piquer, là. Sa mère. Guettez-moi ça. Ah, vous voyez cette route là, pendant, je sais pas, 30 km je crois. Bon, ça tape pas tous aujourd'hui, c'est juste 15 km là de route de merde. Et on va dormir. Prends une petite douche aussi dans le lac là, dans la rivière. Putain, c'est la merde. Ah, c'est la merde. Ah, c'est la merde. Un troupeau de cheval avec une cloche. Il y a des gosses derrière. Voilà. Est-ce qu'on y voit quelque chose? Un peu. Je sais pas si je crois que c'est des cailles, elles viennent boire à la rivière. Elle s'approche, hein. Laissez-moi passer là. Allez, on voilà, on est à 2000 mètres, un peu plus. L'eau est... Ça gèle. Là, c'est un glaçon qu'on voit et il y a la rivière qui se fraye un chemin en dessous. Et là, on descend. Voilà. Bon, Nicolas s'en va en taxi pour que nous, on continue un petit peu. Il a vomi deux fois, bon. Il y a des Américains qui sont arrêtés, super sympa. On va pas forcer. Le vélo est à l'intérieur du van. On a proposé de mettre sur toi, mais. Voilà. Le vélo est à l'intérieur. On est toujours dans les montagnes. Avec Benjamin, on va avancer. Puis voilà. Bon, bah voilà. Merci à ces Américains. Un grand merci. Bon, ils s'en vont. Avec Nicolas. Thank you so much. Animals. Bye. C'est bon, let's go. On est plus que deux. On a abandonné Nicolas. Eh ouais. Pff, voilà, classe. Ah, lui il va y aller en voiture, il va pas profiter. Bref. Ah voilà. Et des murs de glace. Ça claque, ça claque, ça claque. Voilà, il nous reste. Merde, il nous reste 2,5 km. On vient de. On rentre là-bas. Là, on a fait voûte.
Et après là, en gros, on est passé tout autour de la montagne. Par genre, on a fait. On est revenu là, on remonte là. Bref. En gros, là, on est là. Quoi. Voilà. Plus qu'à deux. Et on arrive bientôt. Youpi. J'ai en train de manger un peu. Oh, je suis un antagoniste. Et rien d'ailleurs. Des murs de glace. Plus que 3 km. Ouais, youpi. On arrive bientôt. On traverse un, je sais pas, un chemin de glace. Non mais on arrive bientôt normalement. 2 km à peu près. Ah, c'est du plat là, on est bien. Let's go. Bon, là-bas et là-bas, c'est les routes où on était. Voilà, c'est tout. Ah, fais le focus. Bon, on s'en fout. Ça va, Nicolas? Non, ça va pas. Avec ta vodka, let's go. Voilà. On s'est rhabillé un peu, il y a 2 mètres de neige, je pense, sans blague. Enfin, de glace. Voilà, Nicolas. En chi, nous ça va là-bas. On le voit un tout petit, juste ici. C'est le mec qui a emmené Nicolas. Et voilà. Normalement, ça va. On a bientôt plus de neige. Ça devrait aller. On a passé, on vient de là-bas. Nous. On a fait. Ouais, Nicolas est malade. Voilà, c'est. Et là, faut qu'on descende. Bah voilà, 30 km, je crois, de descente. Et puis voilà, on sera arrivé dans la ville. Et il est, je sais pas quelle heure, mais on arrive bientôt. Youpi! Ah voilà. Il est 20h. On est en train de descendre petit à petit. On s'arrêtera au premier village. Mais là, pour le moment, on est moins malade un peu, mais. Ouais, voilà. Youpi! Super! Voilà, on descend. Youpi! Ok, bon, du coup, pour le contexte, on boit de l'eau de la rivière parce qu'on n'a pas le choix. Et on a une paille. Enfin, en fait, on a une paille du coup. Et qui filtre en fait, et l'eau ressort littéralement claire. Voilà, ça va la couleur de l'eau. C'était pire tout à l'heure. Ouais, c'était pire tout à l'heure, c'était encore plus marron. Et voilà. Et l'eau ressort littéralement, genre, bah attends. Voilà, on a rempli tout ça. Bah l'eau est claire quoi, comparé à ce qui sort. Voilà. Donc bah ça marche bien, on est content. Voilà. On entend un peu les paysages. Là-bas, il y a une ourte. Ça plaît. Voilà. Ça marche bien, youpi. Nicolas, il est encore malade. Bon, bah, voilà. Là, c'est Benjamin qui descend pour aller chercher le vélo de Nicolas. Nicolas, bon, après, là, c'est vraiment pentu. Ça devait être genre que de la descente normalement et avec une petite montée. Mais là, la petite montée. Ah bon, voilà, bah attendez. Si on peut le zoomer, il est en train de pousser son vélo. Bon, Nicolas, en gros, malade, zéro énergie. Et puis, bon, parce que ce matin, il pouvait rien bouffer. Du coup, voilà. Nicolas monte à pied, Benjamin monte sur le vélo. Et du coup, en fait, on s'attendait à une plus petite montée, je pense. Parce que là, en fait, c'est bien raide. Je sais pas combien de pourcents c'est, mais ça monte bien. Bref, voilà. On voit Benjamin. Là, là c'est. Attends, je vais essayer de vous filmer les paysages là. On est quand même dans des endroits sympas. Voilà. Il y a, je sais pas combien de kilomètres il reste. On doit faire je sais pas, 50 bornes je crois. Après c'est de la descente donc ça va, mais Benjamin danseuse. Allez Benjamin. Il donne tout, il donne tout. C'est léger? Je te souviens, c'est pas celui. Ah ouais, pourquoi? Bah, c'est un vélo pour enfant. Un vélo pour enfant. Bon, allez, on se retrouve là-haut. Hein. Ça va, Nicolas? Non. Bon, voilà.
on fait des relais de vélo. Avec Nicolas qui marche à pied, Benjamin et moi on se traîne le vélo de Nicolas. On fait des relais, on le monte, on descend jusqu'à nos vélos, on les reprend, on remonte. On fait deux fois la montée quoi, en gros, à peu près. Bref. En plus on court à nos vélos après pour revenir, c'est essoufflé. Voilà. Check mon vélo. Et le vélo de Benjamin. Attends, est-ce qu'on peut... Est-ce que je peux zoomer ? Petit truc blanc qui marche là. Benjamin est tout là-bas. Il remonte avec le vélo de Nicolas. Voilà. Attends, moi je profite de la vue. Normalement, la montée, j'espère, est finie. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière cette petite butte, mais j'espère que c'est fini. On utilise le triple de l'énergie que normalement on utilise.